Et nous voici dans la zone d'interview du stade Pierre Mauroy de Lille en compagnie de notre invité de la semaine, François Camano. Merci de vous être arrêté au micro d'Espace TV. Avant de parler du Sili National, il y a beaucoup de choses à en dire. Un mot quand même sur ce match entre Lille et Bordeaux, 0-0, peu d'occasions. Et surtout, vous avez joué en supériorité numérique pendant une heure. Alors, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Bordeaux pour marquer ce but qui vous aurait permis de prendre les 3 points? On a fait un match normal. C'est vrai, on était en supériorité numérique. Mais eux sont restés solides derrière. On a eu quelques occasions. Malheureusement, on ne les a pas mis au fond. Mais eux, ils ont essayé de jouer le contre à un moment donné quand ils étaient en infériorité numérique. Et nous, on n'a pas su profiter de ça parce qu'ils étaient sur nous à un contre un. Ils n'ont rien lâché. Nous, on a essayé de tourner le ballon. Mais il n'y a pas eu de spontanéité dans notre jeu. On a pour vraiment passer par le côté ou faire la différence pour vraiment finir. Et c'est dommage parce qu'on a laissé 2 points filer. Le manque de spontanéité, ça nous faisait penser un peu au match de Lyon où justement, pareil, supériorité numérique, et vous avez du mal à passer la deuxième vitesse pour ensuite essayer de faire la différence. Qu'est-ce qui manque? Il manque un peu d'allant offensif? Qu'est-ce qui manque? Un peu de frilosité, peut-être tactique aussi? Non, ça n'a rien à voir avec le match de Lyon. Parce qu'à Lyon, déjà, on a pris un but. On était mené au score. Donc là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'à Lyon, on a poussé, on n'a rien lâché. On est revenu au score. Mais voilà, le temps était presque fini. Mais là, c'est le contraire parce qu'on ne menait pas ou on n'était pas mené au score. Donc, ils géraient le match aussi. Ils profitaient sur les ballons de contre qu'ils avaient. Et nous, on n'était plutôt pas mis en danger. Donc, on était tranquille. On a essayé de tourner le jeu. On a un peu changé. Nous, on est un peu rentré à l'intérieur au cœur du jeu. Mais bon, ça n'a pas marché et ils étaient vraiment solides défensivement.